Bon, mais voilà, petite première vidéo après confinement. Alors là, nous sommes chez notre concessionnaire à Loisiréo, Sainte-Eulalie. Voilà. Et là, je vais vous faire comme vidéo un Bénimar 340. Modèle 2020. Alors, panneau solaire, télévision 20 pouces, voilà, radar de recul, porte-cils, simple place, volant gaine en cuir. Allez, petit aperçu de devant. Donc, capucine Bénimar. Sur Porter Ford. Alors, prise électrique. L'aération pour le trauma qu'il faut enlever parce que là il est fermé. Soute traversante, chauffée bien sûr, hein, comme toutes. Éclairage LED, donc voilà, ils sont pas branchés, ils ont pas de les batteries. L'échelle pour pouvoir accéder à la capucine, belle soute. Voilà. Donc après la trappe à gaz, alors je pense que la trappe à gaz c'est la petite qui est là, je suis pas sûr, parce que c'est un chauffage sur gasoil. Pour le, installer le porte-vélo. Bon, là, il n'y a pas de caméra de recul. Le store. Allez. Alors, nous sommes sur un Porter Ford. Et c'est le tout nouveau Porter pour 2020. Bon, j'espère que c'est pas trop sombre. Superbe volant, très joli. Bon, par contre, il n'est pas équipé des store emis. Porte pour le téléphone, voyez, c'est super ça. Voilà. Ici, une prise de 12 volts. Alors le petit inconvénient pour moi, c'est que voilà, celui qui veut mettre bon, un téléphone, ça passe, mais pas plus. Très beau. Moi j'aime bien le tableau de bord. Avec des petits rangements là.
et c'est très spacieux. C'est quand même vraiment spacieux. On peut vraiment naviguer, belle table, très grande table. Tissu super joli, j'aime bien. C'est velouté, ça fait velours un peu. Et rangement. Voilà. Là, c'est pareil. Hop. Voilà. Tableau de contrôle. Ah, génial. Ah, ben si, il y a la lumière. Ah, ben super. Ah, ben super. Alors, voyons. Allez. Le porte-télé, donc d'après la notice, jusqu'à 20 pouces. D'ailleurs, c'est ce qu'ils mettent. Très joli. J'aime bien. Hop. Ah, c'est ça. Voilà. L'évier est très bien. Moi j'aime bien l'évier parce que c'est un inox pas brillant. C'est un inox poli. Alors trois feux, gaz, piezo. C'est automatique sur les boutons. Mais trois feux, dommage. Hein, parce que franchement, c'est pas très. Ouais. Pas génial. Hein. Alors après, ok, moustiquaire, occultant, et DB, c'est DB comment ça? C'est DB à cliquer ou DB... Non, voilà, c'est pas DB à cliquer. Ah, ça c'est bien par contre, ça permet que si vous voulez juste l'ouvrir un petit peu, voilà, on fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé de monter pour entendre le clic. Donc, rangement ici, avec l'installation de l'antenne, puisque c'est une antenne omnidirectionnelle, c'est pas une parabole. Les rangements sont bien. Et ça fait costaud. Hein. Pour rester dans la cuisine, le frigo. Alors voilà, ici en haut, il y a un petit rangement. Hop. Voilà. Frigo Trimix. Voilà, automatique. Donc, gaz, électricité, 12 volts quand on roule. Petit fraiseur. Bon, le frigo c'est un slim, mais bon, il y a quand même de la place. Il n'est pas très grand, mais bon, c'est que pour deux, oui, allez, une famille, voilà, il faut pas. Après, ici, pour les légumes, les tiroirs sous l'évier. Voilà, ça se range tout seul. Très spacieux. Ah ouais, c'est spacieux, c'est grand. Le casserolier. Voilà. Et après, il y en a encore un grand là-dessous. Voilà.
Bonjour. Un like, abonnez-vous. Un lanterneau. J'aime bien ces robinets, moi. C'est joli avec ça. Et le plastique. Alors, au niveau rangement, ici, voilà. Petit rangement ici. Deux porte-serviettes. La douche. À l'arrière, deux lits jumeaux. Voilà. Donc c'est quand même un camping-car qui est quand même spacieux. Ici, je suppose, ça va être une petite vannerie. Ouais. Vannerie et rangement. Ici, donc ça sert d'escalier, mais on peut y ranger les affaires. Là, ouais, un petit peu aussi. Mais là, c'est le système de chauffage qui passe. Non, non, ben, moi j'aime bien. Allez, petite vue d'ensemble. Voilà, très joli camping-car, moi j'aime bien. Voilà, allez, ben, écoutez, c'est fini pour celui-ci. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.